Bonsoir à tous et bienvenue. La semaine entre le Real Madrid et la Juventus. La demi-finale retour. Clip un match. Un suspense donc ce soir, contrairement à hier soir, que le Bayern Munich a été éliminé sur le score de 3 buts. Barça n'avait pas marqué. Hier soir, que le Bayern avait gagné 3-0, on aurait eu droit aux prolongations, mais ça n'est pas arrivé malheureusement pour les Allemands. Mais ce soir, c'est un autre match qui nous attend. Les deux équipes, que ce soit le Real ou la Juventus, ont retrouvé deux de leurs joueurs clés. Donc voilà, déjà Paul Pogba revenu déjà ce week-end contre Cagliari avait marqué le but, avait marqué un but déjà revenu. Et Karim Benzema est lui aussi revenu pour le Real. Deux Français absents et deux Français revenus maintenant ce soir. Alors, le Real doit au moins marquer un but ce soir pour aller en prolongation et marquer beaucoup plus s'ils veulent se qualifier tout de suite. Et bien sûr, la Juventus a un but d'avance. En plus, c'était à deux domiciles sur le score de 2 buts à 1. Alors, est-ce que la Juventus va réussir à faire aussi bien que la semaine dernière? Et est-ce que le Real va réussir à l'exploit de se qualifier face au Barça à Berlin? Le final, encore une fois, est-ce qu'on aurait eu le droit encore à une finale 100% espagnole en Allemagne ce coup-ci? Qu'est-ce qu'on va voir? L'arbitre, ce sera un Polonais. Même si en réalité, ce sera l'arbitre suédois. Voilà, Cristiano. Le voyou non. Ce sont les Italiens qui vont donner le coup d'envoi de ce match. En espérant qu'il soit très bon. Et c'est parti, Vidal, Bonucci, Chiellini, ah non, ça fait sortir en touche, et dans le cas d'un sur Ramos, qui la sort en touche, bien sûr, involontairement, hein, c'était une maladresse, Bonucci, Marquinho, Chiellini, Morata, Vidal, Chiellini, Marquinho, Tevez, Carlos Tevez, l'un des hommes forts de cette équipe. Interception de Varane dans la surface et c'est dégagé. Ça sort en touche pour la Juventus. L'équipe type évidemment. Là, c'est la Juventus qui domine en ce début de match. Même si pour l'instant on ne les a pas vraiment eu créé de danger. Vidal. Pour embarquer Dio avec Pirlo. Pirlo pour Morata qui avait marqué un superbe but la semaine dernière. Morata qui préfère jouer en couverture. Pirlo encore. Pirlo pour Morata. Tevez, et but! Et l'ouverture du score de la Juventus de Carlos Tevez. Ah non, c'est Morata, pardon. D'Alvaro Morata. Qu'est-ce que c'est que cette célébration, on dirait. Non, c'est bien Tevez, j'avais raison. Ouverture du score de Carlos Tevez sur un superbe jeu défensif. Une seule frappe et ça va déjà au fond. 3 buts accumulés maintenant pour la Juventus. En plus, il a mis grand chose et Kaisias ne peut pas faire grand chose. Les Italiens montrent qui est le patron au tout début du match. C'est énorme. Dans ce canard, j'appelle ça. 4 minutes et déjà un but. Ça commence très fort pour les Italiens. Maintenant, le Real doit marquer 2 buts maintenant pour se qualifier de 2-1. Ça risque d'être plus compliqué maintenant. Malgré le retour de Benzema, le Real n'y est pas encore. Carvajal. Isco. Cross. Isco. Cross. Isco. Cross. Rodriguez. Benzema. Bale pour Benzema. Rodriguez. Peut-être le centre avec Isco. Non, ce sera pour Varane. Varane pour Rodriguez. Superbe talonnade pour Kroos, interception de Pirlo qui dégage. Ça va revenir sur Cavaral. Isco. Varane. Isco qui est bien placé pour pouvoir centrer. Le centre, le très bon dégagement de la défense italienne. C'est pas fini avec Tevez. Peut-être la contre-attaque turinoise. Pogba qui touche en face son premier ballon de la partie. Tevez. Marquinho, Vidal,
Ça va très vite du côté italien. Marquinhos complètement tout seul. Enfin, presque. Vidal. Chiellini. Ça joue beaucoup mieux du côté italien qu'espagnol pour l'instant. Chiellini qui va se débarrasser les deux défenseurs sur le centre parfait. La tête de Marquinhos qui passe juste au-dessus. Ah, ben, ah oui, mais Ronaldo va devoir faire parler sa patte magique ce soir. Ah, ce sera corner pour la Juventus en fait. Ah ben, pour l'instant, le Real n'y est pas. On ne peut pas dire le contraire. Pour l'instant, le Real n'est pas le Real qu'on connaît. Mais c'est exactement comme le match de la semaine dernière. Le Real s'est fait dominer, a réussi à marquer, mais s'est repris un but vers la fin. Allez, on joue en deux temps avec Evra, Lichtsteiner. Ok, aussi assez débarrassé de Varane. Le centre, attention avec Tevez! C'est la superbe claquette de Casillas cette fois-ci. Le doublé de Tevez, ce sera pas pour cette fois. Mais quelle frappe de Tevez, quel arrêt de Casillas. Alors, rien à dire, superbe arrêt du gardien espagnol. Et Marquinhos pour le corner. Est-ce que cette fois ça va être en deux temps? Oui, parce que, oui. Vu que Pirlo venait chercher le ballon. Pirlo. Le centre. C'est contré, c'est pas fini. Service sur Chiellini et Rodriguez qui envoie devant. Benzema, Ronaldo. Ronaldo qui va chercher une solution. Oui, il va carrément tenter d'y aller tout seul. Kroos, Rodriguez, Benzema. Benzema peut-être pour le centre. Le super Barcelona de Isco. C'est intercepté. Non, il y a toujours le ballon. Ramos, Bale. Attention, c'est contré. Marquinhos, Morata. Pirlo, Tevez qui va chercher une solution, il trouve Morata, Pirlo, Morata, est-ce qu'il va tenter de déborder Alvaro Morata? Non, Pirlo, Pogba, frappe de Pogba, et ça passe largement à côté, et je crois qu'il s'est un peu trop précipité le français, Gareth Bale, un des joueurs clés du Real Madrid, déjà deux saisons qu'il est là. Il est très important ce joueur. Pogba s'est un petit peu précipité là. Il a complètement raté sa frappe. Le dégagement de Casillas. Ça revient sur Rodriguez. Rodriguez qui va tenter. Superbe. Ah, la passe trop forte pour Ronaldo. Chiellini qui va sans problème dégager ce ballon. 87% de passe à 92, je crois bien. Varane. Le centre. Non, Ronaldo. Kroos, Bale, Kroos, Varane, avec Ronaldo maintenant, le centre, c'est repoussé, ça revient peut-être sur Bale, non, ça sera pour Morata. Marquinhos qui a failli se faire gêner par Chiellini, heureusement qu'il s'est vite dégagé du chemin, Chiellini, Morata. Chiellini encore pour Morata qui avait tenté de se retourner, mais c'est Ramos qui est venu l'en empêcher. Touche pour la Juventus. Chiellini qui a failli sortir en touche tout seul, mais c'est fait. Voilà, maladresse de Giorgio Chiellini. Le Real doit impérativement se dépêcher. Ronaldo. Bale. Avec Bale, accélération contrée par Morata. Touche pour le Real. Karim Benzema, absent depuis de longs mois, qui revient enfin ce soir. Va-t-il apporter quelque chose? Ronaldo. La passe peut-être pour Isco de justesse. Réussir à se débarrasser de Varane, je crois bien. Isco. Non, pas de Varane, de Chiellini plutôt. Ramos. Rodriguez. Pour Bale. Bale face à Buffon et ça passe à côté. Enfin, la première frappe madrilène et ça frôle le poteau. Il s'est bien placé là, Bale. Ouh, il avait l'intervention des bras là. Qui arrivait comme une fusée. C'est peut-être ça qui l'a gêné aussi. Ah là, ils ont eu chaud les Italiens sur ce coup là. Bonucci. Pirlo. Superbe attaque de Rodriguez, mais c'est toujours bon Pirlo le ballon. Chiellini. Pirlo. Pogba. Pirlo. Marquinhos pour Tevez. Tevez qui va tenter une solution, qui va chercher. Pogba avec Lichtsteiner qui a failli perdre son duel face à Isco. Il garde le ballon. Passe contrée par Ramos. Isco qui a failli perdre le ballon. Kroos. Benzema.
Benzema, qui perd ce duel face à Marquinhos. Si la passe de Lichtenheuer a été interceptée par Benzema, Rodriguez. Rodriguez qui cherche une solution, il a trouvé Ramos. Ouh, ça commence à chauffer là pour les Italiens. Rodriguez. Rodriguez, le centre de Rodriguez, attendez Benzema, la super barrée de Buffon. Buffon qui se laisse pas impressionner. Mais pas par Benzema, ça passera pas pour l'instant. Mais Morata. Tevez. Tevez avec Pogba. Marquinhos, superbe tacle. Mais c'est toujours pour les Italiens ce ballon. Pirlo. Lichtsteiner. Morata qui était tout seul, il va pouvoir centrer. C'est fait. Et attention, Pogba qui n'a pas réussi à prendre le ballon. Heureusement pour le Real. Parce que là, ça aurait pu être à 2-0 tranquille. Bale. La contre-attaque peut-être madrilène avec Ronaldo qui était bien placé sur l'aile, mais c'est intercepté au bon moment. Vidal. Tevez. Morata. Et Pogba qui réussit à se débarrasser de la défense madrilène. Chiellini. Marquinhos. Marquinhos, le superbe dribble, Chiellini. Marquinhos encore. Encore Chiellini. Allez, on change de côté avec Vidal. Attention! Le centre était bien vu, c'est détourné. Rodriguez. Benzema. Isco, qui est toujours disponible. Quand il le faut. Avec Bale qui était bien placé. On va pouvoir tenter le centre. C'est fait, Ronaldo. Non, il va pas pouvoir l'avoir. Heureusement que Varane était de l'autre côté. Ronaldo, justement, alors voilà. Le centre contré par Evra. Et ça décide de jouer tranquille bord de la surface. Donc, c'est pas trop. Ils prennent de risque. La Juventus. Dégagement en touche. Pour le Real. Varane. Oula, attention, il ne faut pas qu'il se gêne. Maintenant, les Madrilènes, sinon ça ne va pas servir à grand-chose. Bale. Cross. Encore pour Bale avec Isco. Le but! L'égalisation d'Isco! Et voilà, 3 buts à 2, score cumulé, pardon. 3-2 pour le Real, tout est encore possible. Plus qu'un but à mettre et ce sera les prolongations. L'égalisation, tout simplement, magnifique, sous la barre. Sous la barre d'Alvaro Isco. Et là, même Buffon ne peut rien faire sur ce coup-là. Quel but magnifique de la part de l'Espagnol, qui encore une fois montre son utilité sur le terrain. Après le match du score très rapide de Carlos Tevez, il a fallu seulement que 29 minutes aux hommes de Carlo Ancelotti pour revenir à la marque. 3 buts à 2 scores cumulés, le suspense est encore là, et que ça fait plaisir. Vidal. Et... Ouh, le superbe dribble de Chiellini face à Isco. Morata. Morata, il peut faire autre chose pour Tevez maintenant. Hors-jeu. Je sais pas où il y a hors-jeu là par contre. Est-ce qu'on va avoir le ralenti au moins? Parce que là j'ai absolument rien vu. Ah, si, ah oui. Effectivement, il était bien hors-jeu, Carlos Tevez. Casillas se pouvoir se dégager. Cross, pardon. Interception de Chiellini. Bonucci, Lichtsteiner, Vidal, Tevez, Pogba, Tevez, Lichtsteiner, Pogba, Vidal, Talonada, non, même pas intercepté, Pirlo, Morata, avec Pirlo, où ça passe juste à côté, Andrea Pirlo, la vétéran italien, a failli faire parler la foudre pour la deuxième fois pour la Juventus. Mais cette fois, ça frôle le poteau de Casillas. Et Tevez s'est encore passé les yeux. Il était persuadé qu'ils allaient reprendre l'avantage. Pour avoir un score plutôt avantageux pour eux, 4 à 2. Ben non, ça sera toujours à 3-2 pour l'instant. Ramos. Bale. Rodriguez. L'interception magnifique de Pogba. Et voilà, juste avant Pogba. Pirlo, Tevez, encore Pirlo, le duo fonctionne bien pour l'instant. Pirlo qui va tenter de déborder, où il est passé face à Marcelo. Pirlo, pour Morata, attention, Casillas qui est sorti trop vite, ça a raté, dommage.
Ouh là. Attends, je crois que c'est contré par Casillas. Ouh, ça commence à chauffer encore. Et ça continue. Oh, voilà, le ralenti. Morata qui a réussi à passer. Ah non, c'est Varane qui contre la frappe de Morata. Il est revenu au dernier moment. Heureusement pour le Real Madrid, parce que sinon ça en fait 1-2-1. Marquinhos qui a tiré le corner. Corner, c'est dégagé, sans problème. Benzema qui n'est même pas sur le ballon. Par contre, Ronaldo, lui, le sera. Ramos. On change de côté avec Isco. Interception d'Arturo Vidal. Tevez. Vidal. Avec Tevez encore. Le centre peut-être en venir pour le Chilien. Non, c'est contré par Varane. Isco. 5 minutes additionnelles, cette première période toujours un partout. 3-2 score cumulé. Encore un suspense qui risque de durer longtemps pour moi. Rodriguez. Ramos. Ronaldo. Et le contre de Kylian ne suffit pas à s'excentrer. C'est dégagé sans problème. Salut, Robert Lafondue, 91. Ouais, bon, j'ai compris la référence. Vidal. Pogba. Avec Vidal. Marquinhos. Marquinhos qui va tenter de passer face à Ramos. Et il réussit son duel, il gagne son duel. Vidal. Très bon tacle de Varane. Un coup franc pour la Juventus, bien placé. Un carton peut-être. Ah oui. Carton pour Sergio Ramos. Est-ce qu'on va pouvoir voir le ralenti? Parce que là. Alors voyons. Voilà, oui, largement. Il joue pas du tout le ballon. Il n'y a rien à dire. Le carton peut-être pas nécessaire, mais la faute, oui, là, elle est bien, elle est bien là. Elle est bien là, la faute. Attention, coup franc bien placé. Si c'est Pirlo qui tire les coups francs, ça peut être très dangereux. Et là, on se marque idiot. Ouais, je trouve étonnant, mais bon, c'est pas grave. Bien tiré, ce coup franc. La superbe claquette de Casillas encore. Ouh, qu'il n'était pas loin, le deuxième but pour la Juventus. Surtout par Vidal. De toute façon, Marcelo était venu à la rescousse au cas où, mais sans compter sur les réflexes imparables de Iker Casillas, malgré une très mauvaise Coupe du Monde pour l'Espagne l'année dernière. Marquinhos, toujours, il tire plus les coups directs ce soir, hein, décidément. Attention, la très bonne sortie de Casillas qui boxe le ballon hors de la surface. Et Ronaldo, qui ne peut pas empêcher ce ballon de sortir. Mi-temps ici, au Santiago Bernabéu, et un partout. 3 buts à 2 score cumulé entre ces deux équipes. Un match qui risque d'être assez passionnant. Ah oui, Varane n'est pas très content. Mais bon, quand même. Le Real a réussi à revenir. Heureusement, parce que sinon, parce que 3. Parce que 3-1, ça aurait été plus compliqué. Alors 3, 6 tirs à 3, ça, on peut comprendre pourquoi c'est la Juventus qui mène. On va y retourner tout de suite. Ce sont évidemment les Madrilènes qui vont engager ce coup-ci. C'est reparti. Est-ce que le Real va réussir l'exploit de revenir au score? Ou est-ce que ça va se finir comme ça? Isco. Isco face à Lichtsteiner, ça passe pas. Très bien défendu de la part du Suisse. Touche bien placée pour le Real. Attention, Rodriguez, la tête, c'est dévié. Avec Morata. Oula, le tacle. C'est pour Pogba le ballon. Tevez face à Varane. Il passe tranquillement. Pogba. Super Vatalana pour Tevez. Pour Vidal. Ou le tacle de Kroos. Qui est bien revenu. Ronaldo. Ronaldo qui va tenter de déborder. La passe a été contrée. Mais c'est le ballon toujours pour les Madrilènes. Ah, il y a un joueur blessé pour le Real. Ça va pas arranger. Ça va pas les arranger. Je crois bien que c'est James Rodriguez qui est au sol. Il se relève, c'est bon. Plus de peur que de mal. Ronaldo, le centre contré par Vidal. Corner. Corner pour le Real. Oui, Cristiano Ronaldo, un excellent joueur. Mais pour là, ce soir, il va falloir qu'il soit plus qu'excellent. Il va falloir qu'il soit génial. Comme l'a été Messi et Suarez, comme l'a été Messi et Suarez hier soir. Pour marquer le but, c'est ce qui me semblait. C'était bien Rodriguez qui était au sol tout à l'heure. Il a fini par se relever. Le corner complètement raté. Et sans problème pour Buffon.
Il ne se serait pas impressionné par un corner si mal tiré. Cross. Isco. Change de côté avec Ramos. Il doit faire attention à la jaune. Ouh, superbe contre pour empêcher cette passe. Morata qui réussit à garder le ballon malgré le contre. Pogba. Marquinho. Chiellini. Morata. Pirlo. Ouh, il avait failli rater le ballon. Il est revenu au bon moment. Pogba. Vidal. Et la passe contrée. Ce serait une touche pour la Juventus. Carlos Tevez. Auteur du premier but du match. Splendide en plus. Chiellini. Ouh, le contre. Mais c'est toujours pour les Italiens ce ballon. Chiellini. Le centre. Attention Tevez. C'est la superbe parade. Ticker Casillas hors jeu. Ah bon. On va voir ça. Non. Il n'y a absolument pas hors jeu là, je comprends pas. Soit c'est un choix tactique, soit alors Carlo Ancelotti a estimé lui-même que Kroos n'était pas très bon ce soir. Carvajal. Varane. Villarabendi, Rodriguez, Ronaldo qui a raté le ballon. Ce sera une touche pour la Juventus. Vidal, Tevez, Steiner, Pirlo, Vidal. C'est contré par Villarabendi. Ronaldo. Super batalonnade pour Varane qui était bien derrière. Bien, à l'écart des défenseurs turinois. Attention avec Varane, Isco, pour Rodriguez, Rodriguez dans le poteau. Ouh, le poteau qui sur la Juventus de l'égalisation. Ouh, que ça aurait été compliqué. Tevez, peut-être la contre-attaque turinoise maintenant. Marquinho pour Tevez, il a raté le ballon. Dommage. La contre-attaque madrilène maintenant. Isco, Benzema, Bale. Bale qui réussit sa passe au dernier moment avec Ronaldo qui ne peut pas faire grand chose et touche pour le Real. Ah, ça, il pousse les Madrilènes, ils ont raison. Et là, le deuxième but Madrilène qui était pas loin. Ça aurait été les prolongations là. Ronaldo, Bale, Ramos, Ronaldo, le centre de Ronaldo. Attention avec Varane qui laisse le ballon pour Varane qui a failli tomber tout seul. Heureusement qu'il s'est rattrapé. Isco, Villarabendi, c'est but! Et l'égalisation du Real! 3 partout maintenant! Tout est à refaire, 2 buts à 1, mais c'est bien, 3 partout, score cumulé! Tout est à refaire pour les deux équipes, Buffon avait pourtant réussi à toucher cette balle, mais ça suffit pas, ça rentre quand même! Et voilà, il va falloir que l'une des deux équipes se déchire littéralement! Pour arracher le ticket pour la finale face au Barça dans 3 semaines. Dans 2 semaines plutôt. Et Buffon qui est complètement dégoûté. Ce qu'on peut comprendre. Villarabendi appel rentré qui marque. Très bon choix de la part de Carlo Ancelotti. Est-ce que maintenant plus de questions à se poser pour le Real. Ils sont bel et bien présents. Il va falloir que les deux équipes mettent les bouchées doubles. Morata. Tevez, Vidal, Pirlo, qui perd le ballon face à Villarabendi, Rodriguez, Ronaldo, Villarabendi, Varane, Villarabendi, Ronaldo, superbe passe pour Varane, qui va tenter le centre, non, il va pas pouvoir, Ronaldo qui a failli se gêner sur l'arbitre, Rodriguez, Ronaldo. Oula, l'aile de pigeon qui n'était pas passée. Ouh, la faute. Ouh, la grossière faute de Chiellini là. C'est un carton. Ah, c'est Bonucci, pardon. Oui, carton jaune totalement justifié. Leonardo Bonucci doit se calmer. Et oui, c'est ça, c'est le stress. Alors, rien à dire. Elle est encore plus flagrante que celle de Ramos là. Pour bien le pied de Ronaldo, rien à dire. Un peu plus, c'était pénalty. Ça aurait été encore pire. Le coup franc très très bien placé. Ah, une sortie. Je crois. La sortie d'Andrea Pirlo. La sortie d'Andrea Pirlo et l'entrée de Stefano Sturaro.
Ah non, c'est bien pénalty. Pénalty pour le Real. Où ça pouvait pas tourner en cauchemar plus rapidement. Est-ce que Buffon va réussir à contrer Ronaldo? Pénalty pour le Real. Ça va faire mal. Ronaldo face à Buffon. À la phase qui fonctionne pas. But 4-3. 4-3 pour le Real. Pour l'instant, c'est le Real qui est qualifié. Sur un super pénalty de Ronaldo. La fête, ça marche pas face à Buffon. Il contre au pied parfait. Il tire pile au milieu. Et Buffon qui plonge à droite. Il s'est bien fait avoir, le gardien italien. Le Real Madrid qui avait été totalement soporifique la semaine dernière montre totalement le contraire ce soir. Et oui, Ronaldo qui marque enfin son 10e but cette saison Ligue des Champions. La Juventus doit impérativement se réveiller. 4-3. Pour l'instant, le Real est en finale face à son ennemi, toujours le Barça. Et voilà, retournement de situation que personne ne voyait ce soir. Tevez. Vidal. Tevez. Ou la passe pour Ostroaro qui donne de justesse pardon, pour Kini. Le centre. Ou attention Tevez qui a raté son contrôle. Dommage. Ça aurait pu être le 3-2. Et l'égalisation d'ailleurs. Ronaldo, superbe. La sortie. Disco, l'entrée de Ressé. Rodriguez. Voilà, après le super but, il se collait sa place. C'est la sortie de Paul Pogba et l'entrée de Roberto Pereira. Le changement coup sur coup. Pogba, on l'a pas vu ce soir, faut l'avouer. On l'a vu face à Cagliari pour l'instant. Pour l'instant, on l'a pas vu. Non, ces commentaires ne sont pas une blague. C'est moi qui commente, je les ai enlevés grâce au micro. Voilà, si vous voulez tout savoir. Marquinho. Morata. Contre. Non, c'est toujours lui qui a le ballon. Marquinho. Attention avec Bale. Après, c'est la contre-attaque peut-être. Ronaldo. Pressé. Ramos. Ou qui a fait sortir en touche tout seul. Bale. Ronaldo. Ou attention. Liechtensteiner. Marquinho, Morata, Pereira, Vidal, qui avait un champ libre, ou il a réussi à passer, Chiellini peut-être pour le centre face à Varane, dans ses contrées, et la contre-attaque espagnole maintenant, Ressé, avec Ressé maintenant, centre. Ronaldo peut-être pour le centre. Faut pas qu'il perde le ballon, c'est pas le moment. Et non, ça passera pas face à Stouraro. Pelucci, Stouraro. Evra. Marquinho. Morata. Marquinho. Pereira. Vidal. Vidal qui est toujours tout seul et qui n'a jamais de problème lui. Liechtensteiner. Et non, qui passera pas. C'est bien défendu. C'est dégagé. Et ce sera en touche. Liechtensteiner. Et non, il sort tout seul en touche. Ce qui va permettre au Real de repartir. Yaramendi. Ronaldo. Qui se fait prendre en sandwich, c'est bien défendu. Marquinho, Morata, Vidal, Pereira, Morata encore. Va-t-il pouvoir centrer face à Ramos? Non, ce sera pour Pereira, la talonnade qui était bien vue. C'est contré, attention, c'est pas fini. Marquinho, Morata, Pereira, c'est pas fini encore. Marquinho. Pereira s'est contré. Ouh, il était temps. Et la superbe intervention de Casillas qui sauve l'égalisation. Bale. Ramos. Pressé. Rodriguez. Benzema. Rodriguez. Ronaldo.
Oh, superbe passe pour Rodriguez! Et ça passe juste à côté. Ah, je crois qu'il n'y en a rien. Pas de hors-jeu. La sortie d'Alvaro Morata et l'entrée de Fernando Llorente. Le dernier changement pour la Juve. Morata qui avait été parfait. Mais Llorente était rentré la semaine dernière. Il avait déjà été dangereux. Il peut très bien recommencer. On voit bien qu'il est fatigué, Morata, vu qu'il boite. L'entrée de l'un des meilleurs joueurs de la Juventus. Va-t-il être aussi dangereux que la semaine dernière à Turin, justement. Chiellini, Vidal, Sturaro. Chiellini, Marquinho, encore pour Chiellini. Evra face à Ramos. Le centre contré, c'est bien défendu. Il y a Ramendi. Attention, c'est pas fini. Le ballon déjà perdu. Vidal. Evra. Vidal. Le tacle, mais c'est toujours pour les Turinois. Evra. Va-t-il pouvoir centrer? Il va avoir un problème. Le centre. Attention avec Pereira. Ouh là 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 là. La perte de balle qu'il ne fallait surtout pas perdre. Et Casillas qui n'a aucun problème à récupérer ce ballon. On va essayer. Il y aura Mendy. On va essayer. Et non, ça passe à pas face à Vidal. C'est bien défendu. Sturaro. Evra. Sturaro. Tevez. Evra. Chiellini, attention, le centre. Et non, ça s'est repoussé. C'est peut-être pas fini. Maintenant, si. Benzema, Ronaldo. Ronaldo, peut-être avec Benzema sur le côté. Non, si, c'est fait. Benzema, peut-être pour le centre, face à Vidal. Non. Avec Ramos, finalement. Ronaldo. Bale. Attention avec Rodriguez. Yara Bendy, qui a déjà marqué, peut très bien recommencer. Le centre. Benzema, ça passe juste au-dessus. Ah, c'est pas passé loin encore. Ok. Je veux bien mettre cette caméra là, mais par contre, quand je jouerai, je la remettrai. Hein. Voilà, c'est mieux. En effet, c'est vrai. Merci. Allez, Buffon. Bonucci. Evra. Marquinho. Llorente. Marquinho. Llorente. Bonucci. Vidal. Evra. Steiner. Vidal. Chiellini. Vidal. Casio, attention avec Vidal. Vidal, super bon réflexe de Casillas au dernier moment. Qui évite l'égalisation de la Juventus. Oula, il prend un peu trop son temps Casillas et ça énerve tout le monde. Le dégagement. Avec Ressé. Il y a Ramendi. Ronaldo. Oui, Ronaldo qui est bien placé. Ronaldo le centre. Et non, raté. Sera raté, c'est pas fini. Si, si, touche pour la Juventus. Et pour l'instant, la Juve est éliminée. Vidal. Tevez. Evra. L'intervention avec Benzema maintenant. Qui a l'embarras du choix avec Ronaldo. Eh oui, superbe passe pour Rodriguez. Oui, il évite la touche. Très bon dribble face à Evra. Et non, ça ne passera pas. Et c'est fini. Et c'est fini. Victoire du Real Madrid. 3 buts à 1, 4 à 3. Le Real est en finale face au Barça. Et voilà, après un superbe match la semaine dernière, la Juve doit s'incliner 4-3 buts à 1. 4 buts à 3, score cumulé. Dommage pour avoir fait un match aussi parfait au début de match. Mais le Real s'est réveillé. On va voir le but de Tevez qui est arrivé très vite. 4 minutes. Oui, bon.
Je ne peux pas critiquer les choix de certains, mais bon. Moi, je préfère FIFA à PES, mais ça c'est que mon avis. Hein. Je vois ce que vous voulez, je vais pas vous interdire le choix PES quand même. Faut pas exagérer. Et là, on avait un super barré de Casillas. C'est là la frappe complètement ratée. Le bail. Pourtant, pas passer aussi, hein. Il y a l'arrêt de Buffon. Face à Bale, oui je crois, oui. Et là, le superbe but. Disco sous la barre. Alors moi j'ai 19 ans pour être précis. Voilà. C'est compliqué à répondre comme question. C'est un superbe. Voilà, ça c'est une faute. Un pénalty, carton très bête de la part de Ramos là. Et là, la sauvetage in extremis de Casillas sur une superbe frappe de Vidal qui avait tenté de le lober. Alors encore Bale, qu'est-ce qu'il. Là, superbe tacle, même s'il garde le ballon. Et encore un super barré de bouffe. Ah non! Buffon n'avait pas pu faire grand chose. Là, je crois que c'est le pénalty là en fait. Ah non. C'est le deuxième but. Dilera Mendy. Bah, le premier de lui, mais le deuxième but pour le Real. 3 partout, on en était là à ce niveau-là. Il y a une énorme faute de Bonucci de la surface sur Ronaldo. Pénalty. Absolument rien à dire. Ben non. Et là le pénalty de Ronaldo, très bien négocié. Il ne faut surtout pas diffuser de vrais matchs sur Twitch parce que sinon on se fait bannir du site. Il faut uniquement diffuser des trucs en rapport avec des jeux vidéo. C'est plus simple que ça, même si c'est un peu casse-pied, je veux bien l'accorder. Mais c'est comme ça. Là, le sauvetage de Casillas. Oula, je pense même qu'il aurait dû avoir pénalty. Ah voilà, voilà, même lui on lui dit. Donc voilà, le Real s'impose 3-1, 4-3. Donc on va voir si ça va être le cas dans 5 minutes. Alors voyons voir les notes. Ronaldo 6-9, Benzema 6-4, Ressi 6-4, Rodriguez 6-7, Lira Mendy 7-6, l'homme du match, alors qu'il était rentré après. Bale 6-6. Varane 7-5, Carvajal 5-9, Marcelo 6-1, Ramos 6 et Casillas 6-9 et Kroos, Isco, Kroos 6 et Isco 6-8. On va voir pour la Juventus, il aurait été arrivé trop tard. Pereira 6, Tevez 6-7, Marquinho 6-6, Storaro 5-9, Vidal 6-2, Evra 6, Bonucci 5-3, Kini 6-2, Steiner 6 et Buffon 6. Donc le plus mauvais jeu homme du match pour laisser Bonucci. Pirlo 6-3, Pogba 5-9 et Morata 6-8. Donc voilà, je vous laisse là. Et je vous invite à regarder le vrai match dans 5 minutes. On se retrouve dans 2 semaines pour la finale à Berlin. Peut-être la prochaine et bonne soirée. Et surtout bon match.